Survenu ce matin à la mine de Liévin dans le Pas-de-Calais, 40 morts, 6 blessés gravement atteints et un disparu. Réforme dans l'armée française, officiers et sous-officiers sont consultés sur leur statut. Lutte contre l'inflation, les prix dans les cafés et les restaurants bloqués pendant 3 mois à Paris par le ministère des Finances. Miss France a été élue hier soir, il s'agit de Miss Lorraine, Sophie Perrin, âgée de 18 ans, qui nous confiera ses impressions tout à l'heure. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Pour les familles de Liévin, il n'y aura pas de fête de fin d'année. Tous les mineurs portent le deuil de leurs 40 camarades tués ce matin dans la fosse numéro 3, qui laisse 130 orphelins. Dans 7 foyers, c'est l'angoisse. 6 hommes sont à l'hôpital, gravement blessés, et il y a un mineur qui est disparu. Le jour n'était pas encore levé lorsque la nouvelle commença à se répandre dans la petite ville. À 700 mètres sous terre, 40 mineurs qui venaient de reprendre le travail après 5 jours de congé avaient été pris dans une explosion, un coup de poussière. Poussés par l'inquiétude, les habitants de la cité minière commencèrent immédiatement à se rendre aux portes de la mine. Et leur attente fut longue et cruelle, le nombre des victimes grandissant au fur et à mesure que le temps passait. L'accident avait eu lieu à 6 heures, le bilan définitif ne vient d'être connu qu'à l'instant. Le président de la République a envoyé le télégramme suivant au président des Charbonnages de France. C'est avec beaucoup d'émotion que j'ai appris la catastrophe meurtrière qui vient de frapper les travailleurs des mines françaises et à travers eux la collectivité nationale tout entière. À chacune des familles éprouvées, je vous demande de transmettre mes condoléances attristées. À tous ceux qui souffrent, exprimez, je vous prie, ma sympathie personnelle pour leur épreuve. Sur ce drame, le reportage de notre station de Lille. La fosse 3 de Liévin dépend du siège 19 de Lens. C'est un puits de service qui emploie 350 personnes. À 6 heures ce matin, c'est la prise de service. Lorsque l'explosion se produit, une demi-heure plus tard, ils sont 45 à la côte 710, 710 mètres sous terre. Très vite, on va dégager 6 blessés, dont 2 sont grièvement atteints. Pour les autres, commence l'attente, l'angoisse pour les familles, la lutte contre la mort pour les sauveteurs. Tout de suite, on envisage le drame, mais chaque heure qui passe va confirmer la catastrophe. C'est l'inflammation avec le gaz et puis une grande teneur de gaz, alors les poussières s'inflamment. On nous a indiqué pour le moment probablement un coup de poussière. Est-ce qu'on en connaît les causes? Non. Il est prématuré de s'avancer dans ce domaine étant donné que personne ne les connaît actuellement. Attention, attention. Godard, Pierre. Hein? Attention. Allez, monsieur, allez. Et Godard. Attention. Oh, je ne connais pas tout le monde. Attention, monsieur. Vous étiez dans le quartier de Sicilion à ce moment-là? Non, alors jeune. C'est-à-dire juste à côté? À peu près, oui. Et vous avez entendu l'explosion? On a entendu un bruit. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Après, un coup de poussière et c'est tout. Après, vous avez... je ne peux plus dire... Vous avez participé au secours? Vous avez... Ah bah ça, on a remonté ce qu'on a occupé. À votre avis, ça peut être dû à quoi, cette explosion? Poussière, oui, nous. Et ça a ravagé un grand secteur? Oh ouais, un arbre monté, on s'est pris encore 12 au fond. Qui sont encore au fond et on ne peut pas les retirer? Ah si, on peut, hein, si. Lorsque ça sera aéré? Ouais, ouais. C'est encore dangereux? Oh ouais, ça sent plus quoi, le mot. Ça sent quoi, le gaz? Une fumée, tout ça, le gaz, ouais. Il y a encore des dangers d'explosion? Non. Non, c'est un ventilé, hein? Non, non. Vous avez participé au secours? Ah ouais, j'ai sauvé 3 bonhommes. À 13h, le juge Pascal sort de la fosse, il confirme avec le procureur l'ampleur de la catastrophe. J'ai travaillé dans le quartier, qui était de l'ordre d'une quarantaine environ, ou 38, je n'ai pas le chiffre exact, les victimes de cet accident, de catastrophe. Il est mort. Il est mort, Pierre.
Ces lampes qui manquent, ce sont celles des victimes, de vieux mineurs résignés devant la nature, des plus jeunes aussi, et des travailleurs immigrés, des Algériens, des Marocains qui découvrent, eux, la loi de la mine. J'ai parcouru les galeries, si vous voulez, dans lesquelles se produit l'explosion, et où j'ai trouvé pratiquement toutes les victimes. Est-ce qu'il y a eu des éboulements de... Non, pratiquement, il y a peu d'effets mécaniques. Dans les travaux que j'ai visités, peu d'effets mécaniques, il n'y a pratiquement pas d'éboulement, aucun éboulement, et j'ai pu parcourir normalement les galeries dans lesquelles j'ai malheureusement retrouvé les victimes. Pourquoi ne les a-t-on remontés que très lentement? On a appris le chiffre des victimes a varié au cours de la journée. Oui, parce que si vous voulez, c'est très difficile quand même de les repérer, et les sauveteurs, pour les remonter, les évacuer, doivent fournir des efforts importants, parce que c'est quand même assez loin du puits. Et il faut remonter, si vous voulez, dans des pentes qui sont quand même assez fatigantes à parcourir. Techniquement, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment était ce chantier de 6 sillons? Absolument pas, c'était un chantier uniquement en préparation, pour préparer une taille. Il n'y avait pas d'exploitation dans ce chantier. Et je ne peux pas actuellement dire quelle est la cause de cette catastrophe. Pour le moment, entre mineurs, entre gens de la région du Nord et du Pas-de-Calais, nous sommes en deuil, nous sommes solidaires des veuves, nous sommes solidaires de tous ces orphelins dont le nombre bien sûr n'est pas encore connu puisque nous ne connaissons pas exactement le nombre des victimes, mais ils vont être très nombreux et tous ensemble nous sommes très tristes. Ce drame-là est inéluctable pratiquement dans des mines. Inéluctable, non. La mine n'est pas fatalement, je dirais, cela. Il arrive que parfois le cela, mais ça n'est pas fatal. Ce sont des choses, il y a quand même maintenant, on a quand même, disons au stade où nous en sommes, des moyens de pouvoir maîtriser quand même l'exploitation des mines, mais on n'est jamais à l'abri d'un pépin. Je suis venu aussitôt pour voir l'importance d'un drame qui évidemment frappe toute la région de Liévin. Je pense avec une grande émotion aux familles des victimes. Hélas, il y a beaucoup de victimes. Je crois qu'à ce stade, il vaut mieux ne pas citer de chiffres du tout tant que on n'a pas tout exploré complètement. J'ai pu moi-même mesurer l'importance de cette catastrophe, vérifier la mise en place de tous les secours et voir comment, dans ces circonstances, pourra s'exercer du mieux possible pour les familles des victimes la solidarité de tous. L'accident collectif qui vient de se produire au siège 3 de Lens, des houillères du bassin du Nord-Pas-de-Calais, est le plus grave de ceux que les charbonnages de France ont eu à déplorer, déclare un communiqué des charbonnages de France. Les opérations de sauvetage et de remontée des corps ont été menées avec toute la diligence que permettait l'état des chantiers après l'accident, ajoute ce communiqué. Il est pour l'instant impossible de donner une explication sur l'origine de cet accident. Le service des mines mène l'enquête sur place. Fin de citation. Le juge Pascal, chargé de l'information ouverte à la suite de ce très grave accident de Liévin, a indiqué qu'il venait de désigner deux experts pour déterminer les causes de l'accident. Je vous rappelle le dernier bilan tel qu'il vient d'être publié à l'instant de cet accident. 40 morts, un disparu et 6 blessés. Réforme dans l'armée française. À la fin du mois d'octobre, le ministre de la Défense, M. Soufflet, avait parlé de la revalorisation de la condition militaire, des relations au sein de la hiérarchie et des projets de statut des officiers et sous-officiers. M. Soufflet vient d'annoncer aujourd'hui que des groupes de travail composés d'officiers et de sous-officiers ont été mis en place pour examiner ces projets. Il m'est apparu naturel de faire rentrer la participation au sein des armées comme elle existe dans d'autres secteurs, et en particulier dans les sociétés civiles ou les sociétés industrielles. Est-ce que c'est pour répondre en quelque sorte à la grogne un petit peu qui règne chez les militaires? Non, ce n'est pas spécialement pour répondre à une grogne qui est d'ailleurs largement inférieure à ce que la presse peut en dire. Il y a des problèmes, ces problèmes il faut les traiter, mais celui des statuts est un problème très important. On ne fait pas des statuts souvent, ils doivent durer plusieurs décennies, et par conséquent, il faut les faire avec un très grand soin.
Cette consultation va se passer naturellement sous la responsabilité du commandement. Elle se passera à l'échelle des régions, régions aériennes, terrestres ou maritimes, et des forces françaises en Allemagne, et naturellement de la gendarmerie. Des groupes de travail, officiers, sous-officiers, seront créés. Des équipes spécialisées, si j'ose dire, de ce ministère iront expliquer les textes qui sont en préparation et j'espère ainsi recueillir des avis intéressants sur les aspirations à la fois des officiers et des sous-officiers. Les grandes lignes, c'est incontestablement une amélioration indiciaire générale qui correspond à des contraintes particulières que chacun imagine. Et puis, encore une fois, le souci de maintenir au service plus longtemps les sous-officiers et de faire accéder les officiers à des postes de responsabilité plus jeunes. Et je dois ajouter que ces statuts portent également sur les officiers techniciens. Donc, il s'agit bien d'une véritable consultation qui sera ensuite faite à un niveau plus centralisé au sein du Conseil supérieur de la fonction militaire, et je pense que dans un délai de 2 mois, tout ce processus se sera déroulé et que des textes définitifs pourront être soumis au Conseil des ministres. Maintenant, un chapitre qui revient souvent dans nos journaux, l'inflation. Hier, le ministère des Finances a annoncé une hausse des carburants pour le 1er janvier. Vous savez d'autre part qu'on s'attend à un relèvement des tarifs de l'électricité et du gaz. Mais ce matin, M. Fourcade a annoncé, par contre, qu'il avait décidé de bloquer les tarifs des restaurants parisiens et que les marges des commerçants vont être fixées maintenant article par article. Les restaurateurs parisiens ont-ils abusé de leur liberté en augmentant leurs prix à l'approche des fêtes ? Le ministère de l'Économie et des Finances affirme, du moins, que les prix des plats à Paris ont subi des hausses importantes, plus de 16%, contre moins de 14% en province depuis un an. Et d'après l'INSEE, l'Institut National de la Statistique, la hausse s'est particulièrement accentuée en octobre. Pendant ce même mois, elle se serait élevée en effet à près de 2,5%. Quant aux boissons, toujours d'après le ministère des Finances, elles ont subi environ les mêmes augmentations, plus de 15% à Paris contre moins de 13% en province. Les restaurateurs contestent la décision de Jean-Pierre Fourcade de bloquer les prix des restaurants parisiens pendant 3 mois. Ainsi, Jean Blatt, le président des syndicats patronaux de cette profession, regrette l'absence totale de concertation avec la direction des prix. D'après lui, si des augmentations ont bien eu lieu, elles sont dues en grande partie aux charges supportées par les restaurateurs parisiens, des charges plus importantes qu'en province. Cet avis est partagé par les restaurateurs du boulevard Saint-Germain que nous avons interrogés. Et d'après ceux qui ont accepté de nous répondre, les prix n'ont pas augmenté dans les mêmes proportions que l'affirme le ministère. Est-ce que vos prix sont raisonnables cette année ? Oui, monsieur, je n'ai pas augmenté mes prix. Ah bon, pourtant on accuse les restaurateurs d'avoir augmenté depuis 6 mois sensiblement leurs prix de 16 à 20%. Nous, on n'a pas augmenté, au contraire, on a diminué nos prix. Est-ce que vos prix ont beaucoup augmenté cette année ? Non, je ne pense pas. Pas de combien à peu près ? 3%. 3% seulement ? Pas grand-chose, hein. Est-ce que vos prix ont augmenté depuis un an ? Très peu. Combien ? Très peu. Surtout la viande. Mais dans les autres prix, rien n'a changé. Deuxième décision, Jean-Pierre Fourcade. Le contrôle sévère des marges des commerçants sur les produits industriels, que ce soit les vêtements, les chaussures ou bien encore les appareils ménagers. Dès demain, le nouveau barème sera publié dans le bulletin officiel des services des prix. Deux conséquences, le commerçant ne pourra plus augmenter ses prix si son fournisseur n'a pas augmenté les siens, et inversement, le commerçant devra répercuter les baisses de prix pratiquées par son fournisseur. Pour succéder au maréchal Ahmed Ismail Ali, dont les obsèques avaient lieu aujourd'hui au Caire, le président Sadat a nommé ministre égyptien de la guerre le général Abdel Ghani Gamassi. Le nouveau ministre a fait des études supérieures militaires aux États-Unis et en Union soviétique. C'est ce même général Gamassi qui a négocié pour l'Égypte les accords du kilomètre 101, prélude à l'accord du désengagement israélo-égyptien de janvier 1974. Lockout à El Al, décidé par la direction de la compagnie israélienne à la suite de l'échec des négociations avec les syndicats. Hier, El Al a demandé aux compagnies étrangères d'augmenter leurs vols en direction d'Israël afin d'assurer un trafic régulier.
un certain nombre de compagnies ont accédé à la demande. D'autres nouvelles de France. Au cours de notre journal de 13h, nous avons parlé à propos des témoignages devant la justice du procès Goldman. Pierre Goldman avait été condamné le 14 décembre à la réclusion perpétuelle car il avait été convaincu de meurtre. Cette affaire a provoqué aujourd'hui une démarche inhabituelle pour un magistrat. Monsieur André Braunschweig, qui présidait la cour d'assises au moment de la condamnation de monsieur Goldman, vient de demander au tribunal correctionnel de Paris une réparation symbolique pour des injures contenues dans un communiqué signé Comité Goldman, communiqué reproduit par nos confrères Le Monde et La Croix. Ce communiqué a attaqué très violemment monsieur Braunschweig après le verdict. Aujourd'hui, le président des assises nous explique sa réaction. Est-ce l'homme qui réagit ou le président des assises de Paris ? Bien, je vous répondrai que l'homme ne peut pas rester insensible devant de telles injures. Mais il est évident qu'en la circonstance, c'est le président de la cour d'assises qui ne peut tolérer qu'on puisse porter atteinte à sa fonction. C'est pourquoi j'ai réagi de cette façon. S'il s'agissait de ma modeste personne, peut-être que je passerais l'éponge. Mais justement, j'ai une fonction à défendre et j'estime qu'on ne peut pas être tolérant lorsqu'on injurie, et de cette façon, d'une façon aussi grave, le président d'une grande assise. Je pense qu'il n'y a pas de tolérance possible, là. Alors, en contre-attaquant, et notamment des journaux, est-ce que vous ne craignez pas de mettre en péril une certaine liberté d'expression, et peut-être même la liberté de la presse ? Mais non, parce que là, je vous réponds un peu de la même façon. La presse, vous savez que je suis très soucieux de la liberté de la presse, mais la presse doit elle-même mettre ses limites. Or, il est évident que lorsqu'un journaliste transporte, si vous voulez, dans son journal, diffuse, véhicule des injures qui émanent d'un comité que pour l'instant je ne connais pas, ce comité pour moi il est informel, je n'en connais ni les responsables ni les animateurs, eh bien je pense que le journaliste sérieux qui sans prendre aucune précaution, j'allais dire à chaud, se permet de diffuser de telles injures à l'égard d'un magistrat, de plusieurs magistrats et même des jurés, je pense que là, il ne répond pas à l'éthique de la presse. Le communiqué incriminé injurie également les jurés, mais en disant la majorité des jurés. Or, pour des raisons, disons, légales, il serait difficile aux jurés d'agir comme j'ai agi, car il faudrait individualiser la plainte et à ce moment-là, on serait obligé de violer le secret des délibérations. Je pense que depuis quelques jours se déclenche une campagne forte injuste à l'égard des jurés de notre pays. Qu'il y ait des réformes à faire dans la procédure de la cour d'assises, dans le recrutement du jury, dans le fonctionnement du jury, bien sûr, et je suis l'un de ceux qui depuis longtemps le disent. Mais de là, à la faveur d'un procès dont le verdict ne plaît pas à certains, faire le procès de ce jury et à travers ce jury du jury tout entier, c'est-à-dire des jurys de toute la France, je pense que c'est parfaitement injuste et que, là encore, il faudrait qu'on puisse y répondre, mais alors là, sur un plan, disons, de doctrine, et ça dépasse, si vous voulez, le procès auquel vous faites allusion à l'heure actuelle. Là, c'est le magistrat qui parlait, alors maintenant je m'adresse à l'homme, est-ce que le verdict Goldman vous satisfait ? Ah, ça, je ne peux pas vous répondre. Je suis président de la cour d'assises, j'ai rendu le verdict au nom des jurés et des magistrats qui m'assistaient, c'est tout ce que je peux vous dire. Notre confrère Le Monde estime ce soir que la publication de ce communiqué est regrettable car il a été rédigé en termes excessifs. Quant au journal La Croix, auquel nous avons téléphoné, le rédacteur en chef nous a répondu qu'il n'avait pas voulu porter atteinte à l'intégrité du président Braunschweig. Décidément, ce procès Goldman fera date dans les annales à plus d'un titre. Un vol qui sort de l'ordinaire, il ne fera peut-être pas date dans les annales, a été commis aux dépens de la collectivité. Des spécialistes ont enlevé une statue de Mayol, la nymphe, qui se trouvait dans le jardin des Tuileries à Paris. La statue mesure 1,50 m et pèse 80 kg. Il a fait très beau hier en France, beau et bon. Dans les Pyrénées, où ces images ont été prises, hier, les rosiers fleurissent. Il faut monter à plus de 2000 mètres pour trouver de la neige. Beau et surtout bon, 22 degrés dans le Roussillon, où on s'est baigné. 17 degrés à Lyon, record battu, alors que d'habitude, il fait 2 degrés dans cette ville à cette époque de l'année. Monsieur Météo, les choses vont-elles continuer aussi bien ? Eh bien oui, effectivement, les températures vont rester encore assez douces pour quelques jours au moins. Ce matin, on a enregistré des températures de 4 à 8 degrés sur toute la France, atteignant même 10 à 11 degrés sur la Bretagne. Sur tout le reste du pays, aujourd'hui, les températures atteignaient fréquemment 13 à 17 degrés cet après-midi.
Ces températures sont supérieures de 4 à 7 degrés en général à ce qu'elles sont habituellement durant un mois de décembre. Quant à la tempête qui a balayé pratiquement toute la moitié nord de la France cette nuit et aujourd'hui, on a enregistré des rafales supérieures à 100 km/h dans l'intérieur et sur les côtes, atteignant même 140 km/h à l'île de Batz sur la côte nord de Bretagne. Pour demain, une nouvelle zone de pluie va aborder dès cette nuit nos régions ouest et s'étendre au cours de la journée de demain sur tout le reste du pays. Demain, donc, il faut s'attendre sur les régions qui s'étendent des Pyrénées et de la Méditerranée au sud des Alpes et en Corse, à un temps passagèrement nuageux avec quelques averses sur les montagnes, mais surtout des vents forts dans la vallée du Rhône, sur le Roussillon et en Corse. Sur tout le reste du pays, le temps sera généralement très nuageux et pluvieux, avec une température voisine de celle d'aujourd'hui et des vents qui devraient se renforcer encore un peu dans la journée de demain. Les températures devraient rester généralement élevées pour la saison. Nous vous avons déjà parlé au cours de notre journal de 13h de l'événement artistique de la saison, l'élection de Miss France 1975. C'est Sophie Perrin, 18 ans, qui a été élue. Avant de lui poser quelques questions, nous allons, à la demande générale, il faut bien le dire, revoir en détail le reportage de cette élection. Vous aurez ce sourire tout à l'heure, vous croyez? Quand vous serez élue? Pourquoi pas, pourquoi? Quand je serai quoi? Élue Miss France, pourquoi pas? Oh, je n'y comprends pas. Ah, et pourquoi vous... Je suis venue d'accord, en espérant bien sûr d'être élue, mais en fait, surtout pour représenter ma région qui n'a pas encore été représentée, c'est-à-dire Limoges. Vous pensez être Miss France tout à l'heure? Ah non, pas du tout, hein. Pas du tout. Non plus. Vous vous présentez? Oui. Vous êtes qui? Miss quoi? Grande Monde. Et vous ne pensez pas être Miss France tout à l'heure? Non. Non. Vous voudriez l'être? Je voudrais bien, oui. Vous pensez avoir des chances, mademoiselle? Pourquoi pas? Mais quand même, bien une future Miss France, non? Oui, bien sûr. Alors qu'est-ce que ça changera pour vous si tout à coup on vous disait tout à l'heure, par exemple, voilà, c'est vous, Miss France? Pour moi, pas grand-chose, ça changera absolument rien. Faisait-elle semblant hier soir toutes ces Miss prétendant au titre national ou bien avait-elle vraiment si peu confiance? Elle se retrouvait une dizaine en tout cas prête pour le titre de Miss France, apparemment détendue. La journée avait été rude, pourtant faite d'innombrables préparatifs. Elles ont même dû se livrer à un psychotest, mais oui. Une question parmi d'autres, quel petit défaut vous trouvez-vous? Une réponse parmi d'autres, je suis trop large des hanches ou bien je souris insuffisamment. Ce détail ne nous avait vraiment pas frappé. Quant à Miss France 75, mademoiselle Sophie Perrin, une étudiante, elle était radieuse. Nous proclamons élue Miss France 1975, Miss Lorraine. Sait-elle parler, la nouvelle Miss France? Très très bien. Elle sait sourire aussi admirablement, elle est très belle, elle a tout pour elle. Tout le jury était d'accord pour élire Miss Tahiti. Bon, Miss Tahiti, c'est très loin. L'an dernier, c'était déjà une Miss Tahiti et ça posait tellement de problèmes de voyage pour les réunions que finalement, on a élu Miss Lorraine, c'est tout, en fait. Vous n'avez pas le cœur un peu lourd, non, ce soir? Non, ça va. Normalement, c'est vous qui auriez dû, si j'ai bien compris, être élue Miss France. Enfin, on m'a demandé si je voulais être Miss France. J'ai répondu que non, parce que j'ai mes études et je voulais les continuer à Tahiti. On m'attend là-bas. Et ça n'aurait pas pu aller ensemble, les deux? Enfin, c'est moi qui ne veux pas. Alors vous êtes venu vous présenter, pourquoi? Pour le présenter quand même au pays. Miss France, Sophie Perrin, nous savons que vous êtes étudiante en architecture, que vous êtes lorraine, que vous faites 95 cm de tour de poitrine, 62 cm de tour de taille et que vous pesez 62 kg. Ça ne vous gêne pas d'être un peu cataloguée comme une marchandise à l'occasion de ce genre de concours? Je ne me sens pas du tout cataloguée comme une marchandise. Pas. Pourquoi vous êtes-vous présentée? Je vous posais la même question qu'à votre amie tout à l'heure et concurrente. Bien, je me suis présentée à Miss Lorraine. Parlez un peu plus fort, je crois qu'on s'entend mal. On m'a présentée à Miss Lorraine, et puis, étant élue Miss Lorraine, je me suis présentée à Miss France. Et maintenant, vous allez continuer, vous allez essayer de venir, je crois que ça continue après Miss Monde, c'est ça? Oui, et... Miss Monde, Miss Europe, Miss Univers. Qu'est-ce qui vous intéresse dans la vie, à part ce concours de beauté? Mes études, je tiens à terminer mes études, avant tout. Et comment allez-vous faire? Bien, je peux partager très bien mon temps. Quelles sont les études et le plaisir. Quelles sont les activités d'une Miss France à parvenir à la télévision le jour de son élection? Bien, représenter la France le samedi, le dimanche, à différentes représentations dans toutes les régions de France et puis à l'étranger. Et
Vous intéressez-vous à la littérature, à la politique, à l'art, à la musique? Oui, je... Un peu à tout? Un peu à tout, oui. Quel est l'homme politique français que vous trouvez le plus remarquable? Oh! Est-ce qu'ils sont trop difficiles? Bon, disons que... C'est confidentiel? Un peu, oui. Bon. Et quel type d'homme préférez-vous en général? Alors, je suis sûr qu'il y en a de nombreux qui vous regardent ce soir. Et ils sont sûrement très intéressés par Miss France. Et puis, un type d'homme, je n'ai pas... Vous n'êtes pas mariée, les Miss n'ont pas le droit d'être mariées, n'est-ce non, pas? Non, je ne suis pas mariée. Bien, disons, il faut qu'il y ait quelque chose pour plaire. Quoi? Quoi? Oh, ça dépend de la personne. Beaucoup de qualités. Oui, entre autres. Bon. Quel est votre prochain travail, alors maintenant, en tant que Miss? Vous partez où? Vous faites quoi? Bien, le gala, le dimanche, le samedi soir. Très bien. C'est pas encore vous. Non. C'est moi. Bonsoir, merci d'être venu. Bon, je termine ce journal en vous rappelant qu'il n'y aura pas d'informations de dernière minute, de dernière heure plus exactement, puisque nous sommes en période d'application du service minimum. Prochaines informations, donc demain à 13h. Merci de votre attention. Passez une bonne soirée.